je vais ramasser trois palettes là. Et après, je vais aller de l'autre côté là-bas, là, chez mes Gwen, ramasser cette palette. Avec moi ou quoi, poteau? T'es chaud? Allez, je t'emmène. Hop. Elle est toujours debout. Trois palettes pour l'ouvier niveau lave-glace. Ok, ouais, la pêche, mon frère. Ah, oh, putain, y a plus de quai, quoi. Peut-être un dernier là. Il reste un quai là. Ouais, il reste un quai. Youpi, ça va pas être le plus facile. Ça, c'est pas
ça doit être les 3. Attends, ils m'ont dit 3, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 palettes là. Donc là j'ai les chanteloups, j'ai du wissou à prendre aussi après, donc je préfère mettre les 3 loups via avant, comme ça je... Comme ça j'aurais pas besoin de bouger les 3 louviers 2 fois, j'aurais juste à les bouger qu'une fois à chanteloup. Je vais baisser un peu la remorque parce que là elle est trop haute. Thank you.
Gerber, il y a trois coulées de groseille. Du groseille? Parce que c'est ce mec. L'oseille ou du groseille? Là, je vais fermer les portes, on va aller refaire les autres ramasses. Alors tu vois, ils m'ont marqué ramasse 7 à côté là, mais il me reste 6 places. Alors ça va être compliqué. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ça va être spécial l'histoire. Toujours regarder en haut si c'est bien fermé. Hein. Parce que des fois ça arrive selon quand la porte à se mettre de travers.
aller chercher les autres. Des PNJ sur la route, quoi. C'est un truc de ouf. Même à des endroits improbables, t'as toujours un PNJ. Toujours. C'est GTA, ma parole. GTA ou Forza Horizon, pour ceux qui connaissent. Toujours des PNJ là où il faut pas. À ramasser, il me reste 6 places. Alors là, ça sent la quiche, ça sent la tartatine. Bon, si elles sont pas trop hautes, je peux toujours gerber les deux petites là sur une grosse, là sur une grande, mais il faut qu'il y ait la place quoi. Mais si c'est pas, ça va être compliqué l'histoire. Quand je dis toujours un PNJ, toujours faut qu'il y ait un PNJ. Il est 22h. Il n'y a personne à gauche ni à droite, mais c'est au moment où j'arrive dans le rond-point qu'il y a quelqu'un. C'est des PNJ. N'importe quoi, je craque, hein. Ah, mais cherche pas, quand ça sent les vacances, je pars toujours en couille comme ça. En fait, je supporte plus rien ni personne. Ça arrive, hein, c'est humain. Hein. À un moment donné, quand il y en a marre, il y a mal à barre. Hein.
deuxième ramasse. Les quais comme ça où il n'y a pas de rampe mécanique, quand tu te colles comme ça au mur, je sais pas si tu vois bien, avance toujours de 5-10 cm pour qu'il puisse mettre la petite rampe là. Tu vois ce que je te dis, tu laisses toujours un, parce que si tu colles à fond, il y a des petites pattes là, les petits pieds de la rampe, tu ne peux pas les mettre. Tu vois, laisse toujours un petit espace. Ça permet d'enquiller le petit.
Salut. Encore un qui a mangé son bonjour. Salut chef. Salut. Je prends Louis Sou. Salut chef, tu vas bien? Ouais. Un prend? Ça va. Il a 6 places. Ouais. Il a 6 places. Pour? Il a 7 palettes. Ah, attends, bah, bouge pas parce qu'a priori. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, vas-y, t'inquiète. On met là comme elle était. C'est bon, impec. Bon, du coup, on fait quoi? On fait côté? C'est bon, on est bon. Ah oui, allez, bon courage à toi, bon week-end. Bon bah alors du coup, je t'explique l'histoire poteau. En fait, là où je devais faire la première ramasse, c'était prévu 3 palettes et il devait rester 7 places pour la deuxième ramasse. Sauf que bah là où j'ai ramassé, où j'étais censé ramasser 3 palettes, il en avait mis 5. Donc du coup, bah, ils en ont sorti 2. Enfin, 2 et demi quoi. Donc forcément, ça le fait pas. Je vais me faire une 15 minutes de coupure. Hop, je vais aller fermer les portes.
On va fermer la journée. Alors 22, 23, minuit 40, minuit 40. Hop, on clôture. En temps de service, on a 7h43. Et en temps de conduite, on a 4h09. Repas du soir, plus la découche. J'ai pas dépassé les 13 heures d'amplitude. J'ai commencé à 16h40, j'ai fini à minuit 40. Les 13 heures d'amplitude, ils sont là. Donc je me barre pas une 9h. Ça là, je l'avais barré, mais j'ai pas fait exprès en fait. C'est pour ça que je me suis remis à 1 au-dessus. Pour me dire qu'il m'en reste encore une. Et voilà. Donc demain, je vais voir selon quelle heure je me lève. Il me reste. Qu'est-ce qu'il me reste là? Il me reste pour arriver à Ouissou, c'est au sud de Paris, ça, Ouissou. Il me reste 438 km. Donc demain, je vais m'avancer à 1 heure de Ouissou à peu près, à la dernière aire de repos avant le grand péage de la 6. Coupé, et puis bah, comme ça, je vais livrer Ouissou à 5h du matin à lundi. Donc là, on ferme la journée sur la carte. Hop, comme d'habitude, lieu, arrivée, France, on enregistre. Et on passe le camion en coupure vers le chrono. Voilà poto. Allez, bonne nuit.